premier jeudi du mois. Web général à 20h et les BP remis à zéro. Ma team avait commencé le web dès la mise à jour. Comme habituellement, ils décident de s'installer dans la neige et juste en face de la traînière afin de pouvoir farmer un maximum les BP. Moi, je vais venir le lendemain. J'avais uniquement deux demi-journées pour pouvoir faire ce wipe, mais je vais tout donner pour essayer d'apporter un maximum d'aide à ma team, en aussi peu de temps. On est vendredi, il est 8h, et mon wipe commence maintenant. Je me suis donc connecté à 9h du matin, on était déjà pas mal full, il nous manquait uniquement des armes et ça va être mon objectif avant que mes mates se connectent. Donc on est parti. Ah, il me le faut lui, ça se voit, c'est un petit farmer. Hein. J'espère que c'est pas sa base en face. Nice. Ok, il joue nice. Ok, encore touché. Oh, nice. Let's go. Oh, et je savais. Je le savais qu'il était full. Vu comment il backait, vu comment... Oh là là, nice. Pas mal de bois, ça c'est nice. Pas mal de compos, ça c'est nice. Hop, ok, moi j'ai tout. J'ai tout ce qu'il me faut. Tissu. Allez, on rentre. HQ. On avait une SMG qui traîne dans les coffres. Du coup je vais la prendre parce que ça va être beaucoup plus simple pour moi de fight. Surtout que ça tirait énormément à côté de la base. Du coup je la prends et on va voir ce que je vais pouvoir faire. Ok nice, je vais me faire l'ours en même temps. Quitte à le faire hein. Oh let's go. Ok, mais il était pas du tout arba en fait, le gars. Il était pas du tout arba, let's go, Python. Python semi. Oh, Jackhammer, ça c'est nice pour Ben. Ça, il kiffe ça, farmer. Let's go, putain. Je suis extrêmement bien. Ok, il y en a un robuste en face. Je pense que je vais y aller comme ça. De toute façon, j'ai laissé toutes les armes là-bas, comme ça on pourra les apprendre. Ça va être difficile, je pense que s'il y a pas mal de... Je pense que s'il y a pas mal de mecs, ça va être difficile, mais on va essayer de faire quelque chose. Il a quoi? Oh, c'est quoi tous ces trucs de Night Gun? Il est sérieux? Oh, c'était inutile, je visais mes balles pour rien. Il me reste 12 balles et encore, je vais même pas les tirer. Ah, je pense que je suis mort là. Je me casse. Oh non. J'ai tué deux mecs. Oh, je sais pas comment je m'en sors là, vraiment. Ah, fait chier, bien joué. Petite info les potes, juste pour vous dire que je suis en partenariat avec le site Instant Gaming. Je pense que la plupart des gens connaissent puisqu'il est très connu, mais pour faire simple, c'est un site où vous pouvez acheter vos jeux, que ce soit PC ou console, avec des prix bien plus réduits que la moyenne. Ils sont connus que ce soit pour la fiabilité ou la rapidité de leur service. Pour ceux qui n'ont pas Rust, vous pouvez bien entendu l'acheter sur leur site. Et pour ceux qui attendent Rust sur console, soyez patients, il y sera également. Grâce à eux, une fois par mois, un ou plusieurs jeux vous sera offert, je vous tiendrai au courant en temps voulu. Et j'essaierai de vous avoir des codes promo Rust ainsi que des jeux. Le lien est en description. Sur ce, on reprend la vidéo. Oh, j'ai tué un Revo. Oh, tout ce qu'il a. Il est où son Revo? Ouais, ok, j'ai son Revo. Bon bah, on a un stuff maintenant, c'est nice. Ah, j'ai un peu plus d'avance sur toi. Oh, j'ai un hélico, mais j'ai pas de lolo. Y'a un mec Revo. Je l'ai tué, viens sur moi. J'arrive. Nice man, nice. Hop. Il te combien, combien? Je suis mort. Combien? Azmat. Vas-y, fais genre de sortir de la base, vas-y, c'est pas grave, fais genre de sortir de la base. Il est devant la base? Ouais, il vient vers toi là, il te vise. Mais tu l'avais pas, il m'a dépop. Je pensais que t'étais mort, mais en fait oui, t'étais mort, c'est juste qu'il t'avait pas looté.
Vas-y, je sors avec une arme, je sors avec une arme. Oui, oui, sors avec la LR au pire. Je pense que je l'ai tué. Je l'ai tué, je l'ai tué. GG, gros. J'ai ça, Tommy. C'est bon, j'ai tous les stuff. Let's go. La matinée se passait plutôt bien, pas mal d'armes safe et on avait encore beaucoup de choses à réaliser. Enzo c'était cool, on était désormais 3. On arrive à choper 2 hélicos et l'objectif maintenant, c'est d'aller faire les all rigs, afin de vite récupérer des objets que l'on ne dispose pas. Donc on est parti. Oh, caisse élite, caisse militaire. Oh, j'ai chopé une tourelle. Nice. Bon, l'all rig avait été faite, mais on a tout de même récupéré pas mal de loot puisqu'il ne l'avait pas faite entièrement. On a donc chopé pas mal de balles pour la suite. En passant, on essaie de prendre les caisses de la traînière, des grosses chances, on obtient la semi et on perd pas de temps pour la prendre. La large all rig venait d'être faite et on va refaire la même chose que pour la petite, sauf que là, un scrapelli était posé dessus. Il y a encore gros sur la boule. Oh, il a rien. On va mettre Dawim, mais grand, il a un sac de flèches. Okay. 100% il est mort, il y a vrai bed et tout. Hein. Ils ont rien loot gros sur les bottes. Il y a 3 HE et tout là. Il est mort, 100% il est mort. T'as un lance ou pas? Non. Il était dans l'eau en bas? Ok donc. Non, c'est un naked dans l'eau, donc à mon avis c'est un mec, il est mort. À mon avis il est mort. Y'a un scrap, il est mort, ici, HE. Oh non, c'est un boss. Mais je comprends pas, s'il est pas mort, il a pas le clébot en fait. Y'a un DB encore là. Non. Ah, vas-y. Tribute, headshot. Oh, t'as tué. Pas de driver. Il y a tous les bots en bas, en sorte, t'en es mort mon pote. Hein. On arrive donc à choper l'ensemble des loots des gros bots et pour le coup, on se met extrêmement bien. Bon, on n'avait pas eu la caisse mais tant pis. On dépose le petit hélico ainsi que le scrap et best timing. Le cargo passe au même moment, on prend Ben avec nous et on décide d'y aller au DB car oui. On va essayer de clairement la jouer sneaky et surprendre nos adversaires. Ils étaient 3 sur le bateau et pour pouvoir les tuer, va vraiment falloir jouer en équipe. Mais on est confiant et on y va. Il y a la lumière, j'ai plein. Tranquille, ouais, c'est bien là. On est dans le même. Je suis là. Oh gros, j'ai fait passer à travers le. Oh, y'a. What the fuck? Ça lag trop, les gars. Non, venez, je suis intelligent, mais on a des pipes, hein, on a des DB. Venez, on descend. J'entends un petit peu, Ben. Non. Il est devant moi. Je peux pas passer, y'a les flammes. Il est où là? Il m'a vu. Putain, dommage. C'est moi au-dessus, c'est moi. Oui, mais je suis. Il est encore sur moi là. Il m'a hit, hein. Il est pas mort. Va, Ben, go. Il est monté dans un cargo, dans au-dessus là, en face de moi, où je suis down. Il est au-dessus. Vous voyez ou pas? Il est au-dessus là. Headshot mort. Je relève Enzo. Je pense à Tommy Tac être. Bah, je le relève. Cours. Mais c'est n'importe quoi ce jeu. Sérieusement quoi. Il y a encore, ça arrive. Cours. Il faut descendre là, j'ai rien. Double. Va, pêchez-le. Il est low. Mort. GG, laissez-moi looter. Il en reste un semi. Il est fucking full. Et moi aussi. Il en reste un. Hein. Porte en blindé, AK. C4, LR, looté. Je vous laisse looter. Double porte en blindé. Oh là. Il a looté des trucs. Putain, Bolt, j'avoue. Il y a plus le bateau. Ah, c'est cassé le bateau. Bon, on a chez Gosso, c'est maintenant alors, hein, les gars, c'est le moment là. On est devant la base. Vas-y, go. Vas-y, bah go sauter maintenant, c'est le meilleur moment là. Sauter, j'ai sauté moi. L'objectif avait donc été accompli, on était hyper bien, on avait énormément d'avance au niveau des armes et on allait pouvoir bien progresser. Il me restait environ 30 minutes avant de devoir déco et on décide d'aller counter l'all rig. On était 3 et une team de 5 était en train de la faire. On était confiant grâce au cargo donc on décide de la tenter, mais il y a de fortes chances de mourir. C'est un bot. Il y a le trap. C'est de la car. Hein. Oh fuck. Oh c'est la merde là. Oh je déteste, faut vite qu'on passe là. Hein. Ça va. Ah c'est de la car. Hein. Oh non, t'aurais pas dû courir. Enzo, je suis dans le truc, je suis à la grue. Y'a un mec tout en haut. Nique-le le mec tout en haut sur la boule. Il décolle fuck. Double hit. Je suis hyper low. Il est mort. Je pense.
Un giant headshot, je suis... Ouais, je suis mort. Non mais putain, mais vas-y, il savait tout ce que j'arrivais là, frère. Ils m'ont vu. Il tirait sur quoi le mec AK là? Il headshot, le mec tout en haut. Le mec tout en haut, il headshot. Headshot, headshot, encore un. Un mort, deux morts. Il y en a un ou deux morts. Faut que t'avances, Ben, hein. J'avance, j'avance. On avance ensemble. Je suis pas mort. Il est où? Une balle. Vite. Mets sur moi. Ah, ils sont deux, putain. Putain, on a tué tellement. Ils sont encore deux. Dimanche, j'avais donc été absent deux jours sur ce wipe et mes mates avaient très très bien avancé. Enzo était le seul connecté et les autres étaient AFK. On décide d'aller roam en hélico, une team était en train de se faire le vrai hélico, et on va décider d'aller le counter à deux. Un move plutôt risqué mais qui est possible. Donc on y va. Attends, il faut l'hélico, viens. Marche les conclus. Oh, c'est de la carte. Oh, c'est au moins 3 AK. 39. Non mais on le dit pas plus, hein. Je comprends pas qu'il soit pas tombé déjà. Ça va être difficile. Hein. J'entends pas. Tu veux pas le mettre en haut? Gros, moi je suis derrière toi en fait, c'est un truc. Il est sorti, il y en a qui sont sortis à ma base. Attends. Il est 4, t'aurais pas dû tirer, gros. Je te jure, il met une balle là. AK. Fais gaffe, y'a pas. Ils savent pas où je suis moi, je reste aussi. Il est sorti de l'autre côté, je pense. Hein. Encore un mort. T'as une AK pour moi? SMG, non. Bah, je vais me rapprocher, je crois. Hit, mort, le M39. Il avait un casque truc. Vas-y, faut juste faire au back, faut juste faire gaffe. Normal, essaye d'aller. Tiens, essaye d'aller derrière l'arche, toi. Je t'ai mis du soin. Je vais un voler tout. Mort. Il m'a laser. J'ai mis 2 hits mais vas-y. Il m'a acheté la gueule hein. Bah t'as mort. Il m'a enfermé. Ah. Ah je suis teubé. Je tente de les dip hein. J'ai tué, j'ai un hélico et tout. Lance grenade, L96. Y'a du lolo. Je suis en hélico hein. AK bolt. Balle. Ça y est toi hein, je suis en dingue. L96 encore. La dernière caisse, je sais pas où elle est. C4 roquette. Allez, je me casse. Bon, on peut dire que ma première action après deux jours sans rush était plutôt très bien passée. Après avoir tout déposé, on décide avec Enzo d'aller choper le scrap Eli qui était juste à côté de la base que l'on venait de counter. Mais juste avant, hop, on pique un petit airdrop. Après tout ça, tout le monde va décider de se déconnecter et on est encore pas mal full. Je vais sortir fight un peu pour m'échauffer et après ça, j'avais un petit objectif de raid afin que j'apprenne un maximum de BP car oui, l'objectif de swipe était d'apprendre un max de BP afin qu'au prochain wipe on puisse tout détruire sur notre passage. J'avais enchaîné 2-3 fights mais d'un coup j'avais entendu péter juste à côté de chez moi. Dans la panique je me kill et finalement c'était une base environ 2 cases de chez moi. Ayant aucun BP ou presque, je vais counter vraiment en mode le tout pour le tout. Je prends un lance roquette, 3 roquettes, un space 12 et une tenue lourde et on croise les doigts. Allez c'était sûr.
Kalius est mort. Allez. Let's go les potes. Nice. Je croyais dans moi. Allez, rentrez. Oh, il faut y aller, mort. Oh, let's go. Shit, Rock. Yo, Rock. Fuck you, Rock. My dick. Ok, ça va. On est bien. Ok, lui en face. Ok, je... Oh, let's go, il est mort. Oh, il a tout. Un counter raid assez bizarre, mais ça s'est bien passé. Je vais donc faire l'ensemble des transferts, récupérer un max de compos ainsi que des scraps. Il était minuit et avant d'arrêter mon wipe, je décide d'apprendre l'ensemble des bébés qu'il y a dans ma base. Car pour le prochain wipe, on va bien avoir besoin. Donc soyez préparés. Le prochain wipe, j'aurai donc tout mon temps et on aura de grosses ambitions. Désolé pour cette vidéo plus courte et donc moins qualitative car moins de rec, mais soyez prêts pour la semaine prochaine. À jeudi pour le wipe. Ciao ciao.